Et du coup, on a commencé, on était sur Final Fantasy X, on n'a pas commencé, on a joué un petit peu, on a refait un petit peu les débuts du jeu jusqu'à le Blitz Ball, tout ça et tout. Et ça fait plaisir, on s'est rendu compte que quand même le jeu avait extrêmement bien vieilli. Et je me souvenais pas à quel point le gameplay était cool. Et même si le personnage principal est à baffer, l'histoire est quand même cool. Il y a plein de trucs dont je me souvenais pas. Et l'ambiance, par contre, la musique, je m'en souvenais bien, ça, y avait pas de souci. Et c'est toujours un plaisir. Donc du coup, je me suis un peu attardé dessus, mais bon, bien sûr, on va pas pouvoir le faire en long, en large et en travers, parce que c'est un jeu long. Par contre, ce qu'on va faire ce soir, c'est reprendre ma sauvegarde de l'époque, donc quand j'y jouais 2003-2004. Mais il me semble que ouais, c'est l'été 2003 que je l'ai bien poncé, parce que j'ai des souvenirs d'avoir converti un pote à ce moment-là. Et j'étais au Manga Gazette, donc le Manga Gazette normalement c'est pas longtemps avant la fin du jeu, donc voilà. Donc ça fait 21 ans que je n'avais pas joué à ce jeu. Mes souvenirs étaient quelque peu émoussés, comme dirait l'autre. Jeannot n'est pas vieux, il est encore datable au Carbone 14. Bonsoir Recrest. Surtout le titre de Rammstein en intro, oui. J'adore le gameplay de FFT, c'est un de mes FF favoris. Bah écoute, je suis d'accord. Toujours très bon. Et du coup, voilà, donc on va reprendre ma sauvegarde de l'époque. On dit à 21 ans. On va voir un petit peu où j'en suis. Et on va aller faire la bataille finale. Pour se taper le boss de fin, voir la fin de l'histoire et surtout la cinématique de fin. On va très certainement se faire mute parce que chanson copyright, tout ça. Mais ça va faire plaisir. Et s'il reste du temps après, on regardera le petit DVD qui était vendu avec. Que je ne me souviens absolument plus. Je sais même pas si j'ai déjà regardé ce truc. Mais voilà. Voilà le programme. Et chute la musique. Donc, allume la gonzole. Et on regrette, bien sûr, que le jingle de la PS2 soit quand même inférieur à celui de la PS1. Tu passes d'un truc, c'est le futur, à un truc, c'est le futur, mais edgy. Hein, On est plutôt dans ambiance Blade Runner un petit peu quand même, en mode c'est voilà, c'est le jeu vidéo maintenant, c'est devenu un truc de daron un peu, hein, enfin du moins de jeune adulte, hein, du coup, hein. Encore une fois, le jeu vidéo a maturé à ces époques là on commence à avoir des jingles en mode montre à tes parents que voilà, c'est un peu plus voilà. Et c'est du sérieux, c'est un peu de l'art, c'est un peu... Voilà, quoi. Ça commence à être ambiante et tout. Dans mon souvenir, le boss final était très décevant. Moi, je m'en souviens pas de ouf. Je sais que on va sur Sin, qu'il y a genre un château, je sais plus quoi, sur Sin, et qu'on se bat, il me semble, contre Fantôme de Jekt. Hein. Je sais plus exactement. Je sais plus du tout en quoi ça consiste, le combat de fin. Jamais joué à un FF, en plus ma PS2 est cassée, donc encore moins celui-là. Ah, c'est dommage. Après, c'est des consoles qui se réparent encore bien, hein, donc, et qui peuvent se trouver pas trop chères non plus, donc ça va encore pour le moment. Jingle GameCube, Jingle PS2, Jingle GBA, Jingle PS1. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Moi, c'est Jingle PS1, Jingle GameCube. Non, Jingle PS1, mais le Jingle GBA, moi j'ai pas eu la GBA à l'époque, j'ai pas joué à la GBA du tout, je l'ai eu très très tard la GBA. Non, arrête de nous rejouer l'intro. La GBA, ouais, je l'ai eu. Waouh. Début 2010 peut-être. Donc très très tard, quoi. Après, je l'ai eu après ma DS, donc c'est pour dire. Mais c'est vrai que le jingle est super cool, mais moi il m'a pas matrixé, puisque voilà, j'ai eu tard et
ça m'a pas émerveillé mes yeux d'enfant, quoi. Mais je reconnais que le jingle est super cool et très catchy. Et donc c'est pour ça que je mettrais le jingle PS1, le jingle GBA et le jingle GameCube après. Mais après, il y a d'autres jingles que je ne connais pas. De mémoire, il me semble que le jingle Dreamcast est pas mal non plus. Je l'avais vu une fois chez un pote. Mais la Dreamcast, j'ai quasiment pas touché, donc je ne saurais pas dire. Il y a le jingle Sega aussi de la Game Gear qui me faisait beaucoup rigoler quand je l'avais à l'époque. Je me souviens que la dernière forme se bute à coup de queue de phénix. Ah ouais? Ah merde! Ah, ça, c'est une astuce que je crois pas connaître. Le Jaguar, je vois pas ce que c'est le jingle. Ah, le jingle Game Boy. J'avoue, le jingle Game Boy, le petit bruit. À chaque fois que j'allume l'émulateur sur Switch, ça me... Ah! Ça me fait un truc. J'avoue, le jingle Game Boy, il me fait un truc. Mais il est pas ouf. En termes d'esthétique, c'est juste le truc Nintendo qui tombe ou Game Boy, je sais plus. Et un petit bruit de... Un petit bruit, quoi. Mais c'est vrai que... Ouais. C'est vrai que je trouve que la dernière forme a un design assez pourri comparé aux dernières formes de boss final. Ouais, c'est Game Boy qui tombe, ouais. Mais ouais, bah oui, le jingle Game Boy, moi c'est pareil, ça, c'est une énorme Madeleine de Proust, quoi. Mais c'est vrai que vraiment les gros jingles qui m'ont marqué de jeux vidéo, je dirais ouais, le Game Boy et le PS1. Pareil, dès que je mets le PS1, tout de suite, j'ai les saveurs. Et Game Boy, pareil. J'ai les saveurs de l'enfance, j'ai plein de trucs, ça me flash la gueule de Member Berries là. Merci beaucoup pour le sub offert à Fusion, coach. Donc du coup, on va reprendre ma sauvegarde de l'époque. J'avais 95 heures de jeu. Et c'était mon pseudo de l'époque, hein, bien sûr. Que je mettais un peu partout. C'était mon pseudo de Rockstar. Et du coup, on était là, mais alors je ne sais plus du tout. Et c'est pas là qu'on s'est arrêté d'ailleurs. On s'est arrêté dans un comptoir de Rin aussi. Et on peut voir que, ouais, j'ai transcendé un petit peu les limites. Du moins de Tidus, de Yuna. Waka est dans les choux. Kimari est dans les. On voit que Kimari, j'ai vraiment pas beaucoup joué avec. Et au niveau équipement, ouais, pareil, j'ai son Ultima. Nirvana. Je ne sais plus du tout, quoi. Je sais plus trop à quoi ça correspond, mais... Et le sphérié, il est dans quel état? Je crois que je m'étais arrêté parce que j'étais en mode il faut que je refasse le sphérié pour vraiment booster les persos à blinde pour pouvoir battre les chimères. Ah, oh, c'est vrai qu'on peut... Hein, oh, on pouvait faire ça, les gens. Et on pouvait pas le dézoomer. C'est affolant. Je peux pas dézoomer ? Non. Peut-être avec... avec Select ? Non. Ah si, voilà, c'est ça, c'est Select. D'accord. Ah, le sphérier de... Le sphérier est pas complet, hein, d'outil. Et encore de la progression. Ou alors c'est parce que j'étais en train de le réécrire. Je ne sais plus. C'était il y a 21 ans, je n'ai aucun souvenir de ce que je faisais. Je sais juste que je voulais au moins battre au moins une chimère purgatrice parce que je n'y arrivais pas du tout. Mais voilà, on va pas se tenter les chimères purgatrices parce que je sais que je n'y arrivais pas du tout. Je me faisais rousser la gueule. Puis surtout que là, j'ai plein de trucs, il y a plein de commandes, il y a plein de trucs. Je ne me souviens absolument plus de... Déjà d'où il faut que j'aille. Je me souviens plus du tout des strates de combat. On peut pas voir le plan mieux.
Y'a pas la carte du monde? Y'a pas de carte du monde dans ce putain de jeu? Formation, chimère, état. Tiens, oui, les chimères, j'ai quoi? Blaaaaaah! Annabelle là! Putain, je m'en suis un pote! Ah ouais, c'est vrai qu'on pouvait leur apprendre des trucs. Oh là là, mais. Élevé. Je suis plus fou ce qui se passe dans tout ça. Le drive, les compétences, tout ça. Ah, j'espère que ça s'arrange le souci, fusion. Si on le poney, ouais, le poney de la foudre, ouais. Je vais même débloquer le trio des Magus en chimère. Ah oui, les sœurs Magus, oui, ça me dit quelque chose, effectivement, en tant que... Bah, c'est Annabella, Samantha et Maria, voilà, c'est ça. Les trois là, c'est vrai. Ok, ça marche, fusion. Mais du coup, là, je ne sais plus où je suis. Et je sais plus comment faire pour atteindre Sin et tout le bordel là. N'hésitez pas à me guider à ce niveau là parce que. Ouais, je pense que c'est pas par là. Même pas où je suis. Est-ce qu'on peut genre. Parce que je sais qu'on a un vaisseau normalement à ce stade du jeu. Est-ce que à partir d'un point de sauvegarde je peux rentrer. Comment ça j'ai Waka dans l'équipe, mais pour quoi faire? Alors ça se fait. Ah oui, ça tape bien. Yuna, pourquoi tu es là? Loulou. Ah putain, Loulou, elle est pas boostée méga. Hein. Oh la vache. Brasier plus. Ah bah je le touche quand même. Et bien c'est que chaque chimère débloquée ça rajoute un boss à la fin. Oui bah oui. Puisque du coup il y a les versions donc purgatrices des chimères. Donc comment on fait pour aller Ah retourner au vaisseau. En général c'est toujours comme ça que ça se passe dans un FF. Ok, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment dans l'histoire, donc on se rabiboche avec les Albèdes. Et bien sûr, les Albèdes, c'est la technologie, donc ils ont un vaisseau de Fifounou. Comme d'hab, hein, à la fin de ce genre de jeu, tu débloques de quoi voler, et c'est très souvent un gros avion. Enfin bref, et du coup, comment je fais? C'est comme ça. Non, il faut que j'aille voir le. Lui, le pilote. Ah, j'ai pas toutes les lettres. J'ai pas tout l'alphabet Albed. Comment? C'est à lui qu'il faut que je parle? On compte sur toi, gamin. Être OP avec ruban, auto-boosté, etc. Taper à 99, 99 avec attaque rapide. Bonsoir Katpoum, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle, une nouvelle vidéo est sortie sur la chaîne YouTube principale. N'hésitez pas à aller la voir, c'est le travail de toute une vie. J'ai pas joué à haut niveau, mais un pote qui a fait tous les boss m'avait montré ses strats pour se faire les combos. D'accord. Wow, vous vous souvenez tellement de tout. Après, vous avez peut-être joué plus récemment que moi. A-t-il déjà eu un même en nous sur les mêmes sur The Legend of Zelda? Non. Et c'est pas prévu. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de trucs très intéressants. Après, je vais plus. C'est plutôt rare les MMO où je brasse autour d'une licence pop culturelle précise. Il y a eu Street Fighter, il y a eu Mario, il y a eu Sonic.
Mais je vais pas faire toutes les licences comme ça une par une. Les autres grosses licences qui sont, on va dire, dans les cartons depuis le début de la chaîne, c'est Dragon Ball et Spider-Man. Parce que là, au niveau de la web culture, il y a énormément de choses à dire. Et il y a aussi, Shrek, par exemple. Des choses comme ça. Mais en général, j'essaye de... et puis... De toute façon, il va y avoir un remaniement de la ligne éditoriale de la chaîne. Et voilà, on va vers Sine. C'est vrai qu'on peut pas se déplacer librement, il faut faire les destinations. C'est vrai, j'avais pas aimé ça. Ça, c'est le truc que j'avais pas aimé. Et ouais, donc il va y avoir des changements dans les lignes éditoriales après la vidéo des 10 ans. Et je vais plus faire des thématiques. Mais qui vont me permettre d'aborder les sujets différemment et plein de choses. Et vous verrez dans 1000 ans. Merci à Crest. Il va faire un remaniement éditorial. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait j'ai énormément de sujets prévus. Mais je vais les traiter d'une certaine façon. Parce que maintenant je réfléchis plus en termes de je veux parler de tel mème ou de telle licence. Je suis plus en mode ah tiens, ça peut permettre de parler d'une problématique ou d'un thème. Mais autrement. Voilà, vous savez, plus en mode Je peux pas vous le dire comme ça, mais je réfléchis plus, mais parce que maintenant, pour les prochaines vidéos, je suis plus en mode... Je réfléchis le sujet en fonction d'un titre. Et je vois les mêmes et je me dis, ah, de quoi ça peut me permettre de parler? Enfin voilà, et j'ai plein de sujets comme ça. J'ai plein de sujets comme ça, donc il va y avoir, mais après il va encore y avoir des vidéos classiques, hein, ça mais je vais essayer d'axer un peu plus sur des thématiques comme ça, quoi. Un truc à la Mad Dog, je sais pas vraiment ce que ça va rendre, hein, encore pour le moment, hein. C'est qu'elle est bouche, même si j'ai déjà écrit pas mal de scripts pour le moment, enfin j'ai pas mal de scripts, j'ai écrit pas mal de choses sur quelques scripts. Mais je peux pas vous dire ce que ça va rendre vraiment. Mais moins. Parce que je me suis enfermé dans l'historique pur des mèmes pendant trop longtemps. Et j'en ai oublié de parler de trucs à côté. Ou alors. Il y a des vidéos que je regrette, j'aurais pu faire mieux. Même si elles sont bien quand même, quoi, mais... Enfin bref, mais vous inquiétez pas, ça va pas changer drastiquement non plus. Je vais faire des petites expériences, comme d'hab, j'évolue tranquillement. Quel FF est le moins couloir? Je sais pas, je les ai pas tous faits, mais je dirais le 12. Ah, c'est vrai qu'il a contre-attaque. Oh là là. C'est gratuit. Même pas vérifié si j'étais OP en termes d'objets ou tout ça, mais... FF6, tu dirais, avec Rest. Je sais pas, j'ai fait que le début d'FF6, donc je ne sais pas. J'ai toujours le Doom, hein. Mais oui. Mais je pense que la question c'était lequel est le plus open world sans attendre le endgame. Parce que oui, effectivement, dès que t'es au niveau de la fin du jeu, tous les FF s'ouvrent. En général. Enfin, du moins depuis le 7 et ceux auxquels j'ai joué, c'est le cas, quoi. Donc il y a toujours Popol. Bah ça fait partie des trucs, il y aura moins.
Il y aura moins parce que bah déjà je sais pas ce que ça va donner mon opération des cordes vocales, donc je sais pas si je pourrais toujours assurer à ce niveau là. Et le fait est aussi que bon, je vais pas le retirer au début, je comptais le retirer totalement parce que c'est quelque chose, on me dit souvent ça fait vieux, c'est voilà le mec qui parle à sa pluche, c'est le YouTube des années 2010-2015, ça attire personne, ça rebute même beaucoup de gens. Ah oui, il y a une cascade, j'avais pas vu. Donc j'hésitais à gicler, mais bon, ça fait partie de l'esprit de la chaîne aussi. Et j'y réfléchis à une autre façon de l'intégrer pour la suite. Mais il sera quand même moins présent. Je vais quand même réduire son impact malgré tout. Mais il sera toujours. C'est un peu la mascotte quoi de la chaîne. Ou j'enlève Loulou, moi. J'ai pas l'occasion. Est-ce que tu vas virer Amélie ou Dea Castera? Et même français à la suite de ton remaniement. Ah bah si ça tenait qu'à moi, je virerais l'intégralité du gouvernement actuel. Et j'instaurerai une dictature gauchiste. Je pense. Je pense que ça se jouerait comme ça. Donc il faut pas faire confiance. Faut te faire opérer quoi, ouais. Qui va ramener au rond. Voilà, c'est lui le meilleur DPS du jeu. Ce dernier niveau est très moche quand même. Oui. Monstro dans Kingdom Hearts c'est mieux géré hein. Le grand Jabu dans Zelda est mieux géré. Ça, on est d'accord. Le jeu, tout le long du jeu c'est très beau FF10, et puis à la fin c'est bouille dégueulasse marronasse qui préfigure l'ère PlayStation 3. Un peu, on a l'impression. Alors que c'est un jeu du début de l'ère PlayStation 2, hein, puisqu'il est sorti en 2001, je crois, un truc comme ça. Oui, on est à l'intérieur de Johnny Sin. T'as vu la politicienne qui a dit que 3... Oui, c'est Najat Vallaud-Belkacem, on en a parlé lors du dernier stream. Mais bon, c'est une grosse blague, hein. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Je pense que, comme je le disais, moi j'ai plus l'impression que c'est genre... elle veut refaire parler d'elle. Pour essayer de gratter sa place au PS pour l'élection de 2027. C'est des strats hein, qui font tous hein, quand vous regardez. Et comme ça fait depuis Hollande qu'elle fait plus rien, elle est conseillère départementale, je crois, un truc comme ça. Voilà quoi. Elle est en mode bon, ma carrière c'est de la merde, il faut que je fasse le buzz pour qu'on parle de moi et puis après que je puisse revenir en politique. Voilà. Mais elle est débile, elle a 20 ans de retard quoi. Et voilà, mais c'est comme c'est pas que elle hein, je veux dire ils sont tous. La quasi-totalité des politiques de ce pays sont complètement déconnectés et ne savent rien en fait, ils sont incompétents sur la plupart des sujets hein, donc que ce soit social, économique ou même géopolitique, ils sont tous à la rue hein, même pour des marketeurs ils sont à la rue niveau économie hein, donc c'est ouf hein. Les collègues me l'ont dit, on passe des tests unitaires en pagaille sur le logiciel, va vérifier la non-régression à la main. Et puis je veux dire, la moindre mise à jour ou... Bah, c'est débile quoi, c'est débile.
Et encore une fois, c'est prendre le problème vers le bas, encore une fois. C'est le prendre. C'est essayer de le régler au niveau des consommateurs, au niveau du peuple, au niveau de ceux qui sont les moins responsables de tout ce qu'on leur met dans la gueule, quoi. Plutôt que si vous voulez vraiment régler le problème du flux des data sur Internet, il y aurait beaucoup d'entreprises à réguler en termes, ne serait-ce qu'en termes de spamming de mail ou de pub agressive ou de réguler la publicité sur Internet, plein de choses comme ça, quoi. Enfin, il y a plein d'autres choses à faire avant de venir dire aux pélo moyens consomme moins, quoi. Mais c'est toujours la même chose avec. Avec ces teubés déconnectés, bourgeois, hein, c'est qu'ils pensent qu'à leur intérêt de classe et ils s'en foutent du reste, quoi. Donc on va pas empêcher Bernard Arnault de prendre ses jets pour aller chercher sa baguette à 20 km de chez lui. Mais par contre, on va faire chier Jeannot qui prend sa bagnole pour aller taffer tous les jours parce qu'il habite dans un trou paumé qui est pas desservi par les transports en commun, et enfin voilà, quoi, on connaît tout ça par cœur. Est-ce que je me sauvegarde là ou je sauvegarde sur mon autre memory card? Bref, ils font que de la merde, tout ça c'est que des effets d'annonce, c'est juste des déclarations de posture à la con pour faire le buzz, et puis... Ah oui, je m'en souviens de cette espèce de labyrinthe de merde. Ça, je m'en souviens. Mais dans l'espèce de... Ah, j'avais bien pexé dans l'endgame, tu pexes bien, ici. Oui. 36 semaines pour... Bah, c'est dans la chanson de Ganesh, parce que le jour même, Ganesh, il a écrit une chanson sur l'air de 3 nuits par semaine d'Indochine. Elle est parfaite. Et à la fin, dans le refrain, c'est 3 gigas par semaine pour jouer à FF7. Ça sera en 2027. Je le trouvais vraiment très drôle, ce passage. Ah, mais je roule sur les mobs, hein. C'est indécent. Déjà, arrêtez de faire tout connecter. Oui, il y a ça aussi, quoi. Puis, comme je le disais lundi, c'est à l'heure où... Ça fait 10 ans que tout le monde te force à tout numériser, que ce soit dans l'administratif ou même personnellement, ou tes banques ou tes bordels comme ça. On te force à la numérisation, à tout faire par ton téléphone ou des conneries comme ça, ou sur Internet. Et maintenant, on vient de dire, arrêtez de consommer sur Internet, arrêtez avec les données, arrêtez machin. Ouais, mais ça fait 10 ans que vous mettez tout en place pour qu'on ne fasse que du numérique, bande de cons. Donc, voilà, quoi. Et que j'avais dit... Ma petite anecdote de l'époque de quand j'ai fait ma micro-entreprise en 2017 et qu'on m'a dit « Ah, vous avez quand même beaucoup de papier, c'est pas très écologiquement responsable, tout ça et tout, quoi. » Ah voilà, quoi. Et maintenant, on vient te dire qu'il faut faire l'inverse. Ils me rendent fou, de toute façon. C'est tous ces cons, quoi. Mais la perruque et les lunettes du... En moyenne, 2 mails sur 3... Ah, mais dans mes boîtes mail, je n'ai quasiment que du spam. Et j'envoie rarement des mails. Et quand j'en envoie, c'est pas pour dire de la merde. C'est pas pour... Comme au début des années 2000, où t'envoyais un mail pour partager des gifs dégueulasses que t'avais trouvé sur Internet ou je sais pas quoi. Ben voilà, maintenant, on a autre chose pour faire ça, qu'on a les réseaux sociaux. Mais en général, quand t'envoies un mail, bah, c'est pour des trucs importants, quoi. Et c'est devenu plutôt assez rare, aussi. Donc c'est pas le problème, il n'est pas du côté des consommateurs, quoi. Je sais plus où on va. Vous avez pris votre voiture électrique qui s'est connectée, vous avez le droit à un même mignon sur Facebook maximum. Ah, c'est ça. Non, mais c'est nul, quoi. Enfin, voilà. Puis, à l'heure où tout passe par le streaming aussi, des trucs comme ça, il y a toute une économie du net. Enfin, vous imaginez, on passe vraiment à une restriction aussi drastique. Il n'y a plus de streamers, il n'y a plus de youtubeurs, il n'y a plus tout ça, quoi. Il n'y a plus d'influenceurs. Bon, après, ce serait peut-être pas si mal ça, mais bon. Mais c'est au secours, quoi. Enfin, c'est toute une économie qui périclite, quoi. Et masse chômeur en plus.
ils sont cons, mais je jure, quoi. Mais sans parler des boutiques en ligne, de tous les trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est... À un moment, c'est à se demander s'ils ne font pas exprès de lancer des grosses conneries pour pas qu'on parle d'autre chose. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Ah, il s'est suicidé. Mais du coup, on a mangé, j'ai pas regardé les stats. Sully. Oui, c'est un peu Sully de Monster et compagnie. Ah, Waka a mangé. Waka a mangé, alors attendez. Bon, je sais que tout le monde a du soin, mais... Bon, on va le soin max quand même. Bon, les autres, ça va. Un petit soin sur Oron peut-être quand même. Voilà, tranquillou. Ça passe sous les Français vont démêler. Non mais c'est pas une proposition de loi qui va être votée ni rien du tout. Elle a juste fait une pétition, hein. Ou une tribune. Non, c'est une tribune. Elle a juste écrit une tribune en ligne. C'est tout, hein. Et je veux dire, elle a aucun poids politique à l'heure actuelle, elle est juste conseillère des départementales. Elle n'est pas députée, elle n'est pas ministre, elle est rien du tout, hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout un truc qui va être étudié sérieux. Enfin, j'espère. Ça va pas être repris par un connard de la Macronie en se disant « Oh tiens, c'est une bonne idée, ça !» Mais bon, les connaissances, ça m'étonnerait. Ça se protège. Non! Putain, heureusement qu'il s'est raté ce con! Quel plaisir de se rater! Ah, mais c'est vrai. Mais il me semble que c'est dans le seul Final Fantasy où on peut dépasser les limites comme ça et frapper à plus de 9999. Hein. Il me semble que ça se fait pas dans les autres. C'est quoi ici? C'est là qu'il faut aller? Je sais plus. Non. Oh merde, je suis paumé. Bonne soirée, Fusion, merci de passer. Le doublé Mario était excellent, je vous le dis. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'hésite à faire un montage de ce qu'aurait dû être la vidéo à l'origine, c'est-à-dire un truc d'une heure et demie sans coupure. Peut-être si j'ai la foi un jour. Ah oui, c'est vrai que tu as dansé. Putain, c'est chiant ici. Hein. Donc c'est par là qu'on passe. Je peux pas y aller. N'hésitez pas à me driver. Ce soir c'est free. Putain. C'est contre-intuitif parce que je dois appuyer sur la touche du haut pour aller chercher l'ennemi qui est à gauche. Et quand t'appuies à gauche, je me lock. Donc c'est. It good doom, d'accord, ok. Ah, ça continue de bien monter le soirier. Ah, c'est là. J'avoue que les combats aléatoires, je m'en passe bien dans les RPG. Moi, j'aime bien. Il y a des RPG où je sais que quand on a fait Chrono Cross, enfin le remaster de Chrono Cross, c'était pas très bien passé, mais je pense que c'est parce que le remaster est pas très bien. Mais sinon, j'ai pas vraiment souvenir de RPG. Ah, Ni no Kuni. Le endgame de Ni no Kuni était assez chiant. J'avoue. Et du coup, ça m'a freiné pour faire le 2. Mais sinon, les autres jeux que j'ai fait, en général, proposent bien, j'aime bien. C'est un frais, c'est tout l'intérêt d'un JRPG, quoi. Si tu foires les combats, bah effectivement, c'est pas...
pas dans Chrono Trigger. Oui, voilà, par exemple, Chrono Trigger, c'est très fluide, c'est très... Parfait. J'ai joué avec une manette actuelle à Castlevania Legacy et avoir le choix de la caméra avec la croix directionnelle et donner des coups avec le stick droit, c'est perturbant. Ouais, ni non plus ni deux, faudrait que je me le fasse aussi, mais... Et là, je suis parti dans une... Déjà, je suis sur Dragon Quest 11. Et je suis pas encore à la... Je suis à plus de 75 heures de jeu, mais je suis toujours pas à la fin. Et après, j'aimerais bien me faire le FF10 Remake HD. Enfin, Remaster HD. Et on envisage aussi avec Johanna de se lancer dans les Yakuza. Et on a plein de jeux comme ça qu'on veut faire. Ni no Kuni 2 aussi, mais... Ça, c'est un peu passé à la trappe, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe déjà? Pas le prismatique. Pourquoi il y a un truc, c'est marqué 2? Il y a un timer quelque part, quelque chose? J'essaie de voir parce qu'apparemment il y a des choses ici. Putain, je sais plus, hein. C'est un truc ça? Merci. Ah merde. Je viens de choper dans un stockage live. Oh, live. Très très bon moment passé sur live. Je sais pas où il faut que j'aille. Puis ça tourne et puis tu sais pas où aller. C'est chiant un peu là, non? Pourquoi il est marqué 2? Et au secours un peu. C'est un passage ça? Merde. Ah, FF7 Remake, ici il y a quand même encore une notion RPG hein, quand même. Enfin, c'est un action RPG, ouais, mais. Et un JRPG, c'est pas nécessairement du tour par tour. Hein. C'était les technologies de l'époque, c'était les limites technologiques de l'époque qui faisaient que c'était surtout du tour par tour. Et bon, pour faire un petit truc un petit peu jeu de rôle table quoi. Jeu de rôle plateau. Mais moi ça me gêne pas quand c'est en... Putain, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, ça m'énerve. Ah, il y a une... Lance des braves. 3. Ah là, ça a disparu. Ah merde, ça disparaît. Merde. Voilà, pareil, si vous avez des indices sur ce qui se passe, n'hésitez pas. Hein, je ne sais plus. Ah merde, malédiction, j'aime pas, c'est pas bien. C'est normal, t'inquiète, d'accord. Je me laisse driver. Putain, mais ce Tidus. Merde. Ah bah voilà, maintenant. Ah bah non, pas malédiction à tout le monde, hein. Voilà, taper sur Auron. Ah, ça le tue pas. FF7 Remake, tu tabasses les ennemis en les esquivant et en gardant. J'ai l'impression de jouer un jeu d'action. Ouais, bah encore pas trop parce que moi je vois tu joues à Crisis Core, tu vois nettement ce qui manque encore à FF7 Remake, et pourtant Crisis Core c'est un pur c'est plus arcade beat'em up quoi.
Même si c'est beat'em up ultra limité, quoi. Parce que tu débloques pas de nouveaux combos, de trucs comme ça. Et ça, c'est dommage, d'ailleurs. Ah! Riff Astral. Putain, on débloque des armes pour tout le monde. Mais est-ce que je les ai déjà, ces armes, ou est-ce que... Aïe! Oh, un verre des sables! Du coup, je suis seulement en train de comprendre que c'est des références à Dune. Que des vers des sables, on en a depuis depuis les premiers FF, non? Je me souviens qu'il y en avait dans le 7, il y en avait dans le 8. Il y en a dans le 9 aussi, il me semble. Ah, c'est... Hey, on va pas faire ça pendant 3000 ans, là. Une sphère, là-bas, vite. Putain, la chiasse. Et c'est ça, en fait, il faut que je pêcheau toutes les sphères. Il se passera quoi quand je les aurai toutes? Merde, j'ai pas les... J'ai déjà joué à Ape Escape 3. J'ai déjà joué à Ape Escape sur... enfin, là, j'avais la démo sur... enfin, j'ai la démo sur PlayStation. Et on avait fait dans un rétro bail, je crois, Ape Escape. Et c'est vrai, c'est très très fun, Ape Escape. Ah merde, Waka, tu fais mal. À chaque fois, Waka, ça... Je peux pas interagir avec la sorte de truc qui brille. Ah, je sais pas. Encore ? Par contre, là, on va faire Artidus qui peut utiliser la magie. Je vais soigner Waka quand même. C'est vrai que j'ai des techniques, des spéciaux. Putain, la vache. Oh. Tout le monde a tout, quoi. Tout le monde sait tout faire. On est vraiment dans un FF, hein. Il n'y a pas de classe. Tout le monde est pareil. Juste, on peut pas invoquer. Il n'y a que Yuna qui peut le faire, il me semble. Bon, sérieusement, les gens... Ça me gave un peu, ce passage, là. On va prendre des trucs de Yuna. Une bonne nouvelle de ma journée, j'ai reçu mes t-shirts, mon petit poney. Ah, cool! T-shirt que c'est ton frangin, tu m'as dit, c'est ça qui était envoyé? Covid-19. Alors, pendant longtemps, j'ai appelé ces bestioles des xylomides. Mais en fait, c'est pas des xylomides, et je sais pas pourquoi j'appelais ça des xylomides. Oh putain, fais chier. Ah putain, fais chier. Je déteste ces trucs-là parce que ça te fout des altérations d'état dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'on meurt. Et là, je peux soigner personne. Je contrôle plus personne. Ah putain. Est-ce qu'on va mourir? On dirait bien. Ah putain de merde. Bah, je crois que c'est dans FF7, hein, que c'est des xylomides, non? En fait, après, j'ai appris que... Ah, merci au rond, putain. Et après, j'ai compris qu'en fait, les xylomides, c'était plutôt des petites chauves-souris. Et que ça, c'était des marbles, je crois, un truc comme ça. C'est dans FF8 qu'ils sont appelés des marbles. Putain, et je déteste ces trucs.
Ça m'a tué. Oh, même avec un soin max, ça va pas. Alors, deux soins max, s'il vous plaît, merci. Un APSE, mettre la manette, la memory card dans du riz pendant 3 minutes, puis remettre la memory card dans l'APSE. Les morboles, pas les marbles, oui. Les Marlboro, non. Oui, c'est des Marlboro, c'est vrai. S'il vous plaît, aidez-moi. Du moins, si ce qui se passe, c'est normal, dites-moi pourquoi. Parce que... Genre, il faut choper toutes les sphères, mais il y en a combien? Ou je sais pas. C'est normal. Merci, coach. Ils disent qu'il faut collecter les 10 objets différents. D'accord. Et bah, c'est très chiant, cette phase. On peut attendre d'être envoyé à Jekt. Souvent au rond hein, qui est ciblé. Là je dis ça, puis pouf, il y a mon cellule de Nautilus. Bon, au cas, c'est pas grave. Mais je vais le one shot, si énorme en fait. Hein. Non, Patidus, non. Très bien. Ouais, en gros, c'est un mode survie là que qu'on est en train de faire. Et puis, y a des petits bonus. Survie bien. Il y a des bonus. Attends, mais les trucs que je récupère, c'est vraiment des trucs bien. J'ai récupéré une épée. Bah, ça peut pas être mieux que mon épée Ultima. Hein. J'ai du mal de le croire. Hein. Là, je viens de récupérer un bâton, c'est ça, non? Attends. Attaque plus 10, mais attaque à 1. Ok, comment? Ouais, dégâts extra. Hein. Dégâts extra, c'est le must. Hein. Il n'y a que Loulou, j'ai pas son... Et Loulou et Waka. Que j'ai pas leurs armes ultimes. Parce que Waka, il faut faire le putain de Beats Ball et gagner. Je sais plus quoi. Et donc j'avais dit non. Hors de question, tant pis. Et Loulou, je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire pour avoir son arme ultime. Je n'ai pas du tout de cette phase. Ah, qu'est-ce qu'on gagne en emplacement de sphérier quoi. Alors, je peux peut-être sphérier un petit peu. Ouh, j'ai eu chaud au cul. À 8. Est-ce que je fais un peu de sphérier? Tiens. Ah, puis forcément, la balle elle apparaît à l'opposé. Oh, je me souviens pas de ça. J'en ai déjà. Oh, j'en ai déjà affronté, mais je. Je viens d'en affronter genre il y a 2 minutes. Et c'est de la merde. Kite Seed Fatal. Ah, ça c'est pour Lulu, je crois. Parce qu'elle récupère les peluches. Site fatal, attaque mort plus. Bon, je vais faire un peu de sphérié parce que putain la vache. Comment les niveaux continuent d'augmenter quoi. Waouh. 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 C'est pas du tout. Par où aller? On va aller par là, on va la booster un petit peu par ici.
façon, on s'en fout, c'est pas... J'ai fait une deuxième sauvegarde, donc on s'en bat les couilles de ce qu'il fallait que je fasse. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Parce que j'étais parti sur du farming intensif de certaines sphères. Il me semble que tu dois farmer certains mobs pour pouvoir avoir des sphères qui te permettent de réécrire le sphérié. Et donc de remplacer des cases par d'autres cases. De mémoire, hein, il me semble que c'est un truc comme ça. Et donc tu peux rajouter plein de cases HP, des cases... Merde, j'ai plus de sphères compétences. Active une case spéciale. Ah merde, j'ai plus de case compétences en fait. C'est nul. Ouais, je crois que j'étais dans un mindset bourrage de sphère. Et il y a un trigger lié au chrono, ce sera un chrono trigger. C'est de la soupe. De la soupe à quoi? Ah, une bonne petite soupe. Ah non, on a encore des lasagnes là. Et de la paella. On essaie de terminer tous les trucs avant de partir. Du coup ça bourre la bouffe. C'est purement superficiel hein, ce que je fais, je pense. Ah, du coup je pourrais pas l'activer là. Pourquoi je peux pas aller. Hey, au secours, il veut pas aller là. Merci. Ah, je voulais juste un peu plus de force en fait. En point c'est pas énorme mais. Là, je peux pas, j'ai pas de tir. C'est l'enfer de se déplacer là-dessus, putain de merde. Les diagonales, il les prend très très mal. La soupe à haricots verts, brocoli, épinards, crème fraîche. De la bonne soupe, bon pour la santé. Utilise la Sainte Croix. Oui, j'utilise la Sainte Croix. Tout à fait. Désolé pour les fautes de frappe, je mange une glace. Cette ambiance Resident Evil là. C'est juste pour le plaisir de faire un peu de sphérié avant d'arrêter le jeu. Est-ce que je peux faire une case imaginaire avec super un allié? Non, c'est pas ça. Petit réunion, sphère succession, sphère. Active une case caractéristique avec super un magie blanc. Ah, c'est des trucs pour stepper vers les... Mais je peux pas... Ah si, j'ai que chance. Ah, c'est mieux. Mais comment ça se fait que j'ai pas de sphère... J'ai plus de sphère comp comme ça, là. C'est si rare que ça, les sphères compétences. Oh, mais il a rien. Et j'ai rien mis, à Auron, c'est ouf. C'est quoi, ici? Augmente la rapidité de 4 points. Écoute. Je vous jure. Ah,
C'est vrai qu'avec le joystick, ça va mieux en fait. C'est un peu con. Je cite. Oui, bah oui, bah, je m'en rends compte. C'est vrai qu'on est passé à l'ère du joystick. Hein. Clairement. Là, il y a du HP. On va aller en direction des HP. Et... l'ère du bâton de joie. De cases vides hein. Et c'est toutes ces cases là qu'il faut bourrer avec avec des sphères HP et force. Normalement ouais. Et par là c'est cool. Ah là on revient sur nos pas. Non, j'ai tellement pas bourré le sphérier, je suis en train de me dire. C'est ouf. On va aller là. J'ai mon pote de l'époque que j'avais converti à FF. Il était parti aussi dans le délire du sphérier, mais je suis pas sûr qu'il est. Je crois qu'il est allé plus loin que moi. Je crois qu'il a même battu des chimères purgatrices, mais je ne saurais dire avec précision. On prend des HP bon. Et on va lui mettre des petits HP, comme ça. Ouf, c'est infini, hein. Infinisation. Sphérie. Ah merde. Alors que je revienne sur mes pas du coup. Ah oui, j'ai pas de sphère compétence, donc j'avais dû le laisser là, je crois. Oh la vache. Mais vous avez rien les gens, vous avez rien. Ça a rien de l'emmener là. Oh, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, ça m'énerve. Tant pis. Arrêtez là. C'est déjà pas mal. Non si, oui. C'est pas mal ce qui se passe. Bref. C'est vrai qu'on en est là-dedans, il ne reste plus qu'une petite sphère. Qui apparaît là-bas et qu'on va bourrer. Allez, on ne se prend pas de picot. Et voilà. Et c'est parti. Totalement hermétique. Le jeu de réflexion type The Witness. Quelques heures, ça me rend hyper agressif et rageux. Oh putain, oui, d'accord. Super star selon les mécanismes et au joystick, voilà quoi. Ah, oui, d'accord, vous parliez de le trigé, oui, ça a trigé. Ah, oui, parce que dans l'histoire, on a découvert que en fait, je sais plus, Tidus, je crois que c'est une sorte d'égrégore en fait, c'est l'âme des gens de Zanarkand qui s'est. Il s'est incarné dans cette époque, mais en fait, c'est plus un délire comme ça. Enfin bref, il n'existe pas, techniquement il n'existe pas. Hein. Ça fait partie des gens qui sont morts à l'époque avec Zanarkand. Et en fait, Jekt, bah, il nous l'explique, on avait été jusque-là dans le... Il explique assez tôt hein, que Jekt est devenu Sin, parce que c'est, il me semble que c'est une sorte de cercle, en fait, où celui qui bat Sin devient Sin, je sais plus, un truc comme ça.
Et c'est un truc qui a été mis en place par, par le Yevon, hein, je sais plus. Et dites-moi si je me trompe, parce que je me souviens. Ça fait 21 ans. Je sais bien. Retrouvant le daron. Le daron lâche. Le daron un petit peu de shonen. Hein. You're late, Auron. Un peu le père de Luffy, c'est un peu. I know. Voilà, et donc Jack t'avait demandé à Auron de ramener son fils parce que. En fait, lui seul peut le battre. Voilà, c'est une espèce d'amour paternel déguisé. Voilà, c'est le mec qui fait que t'envoyer des fions, quoi. Still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Décoince-toi du cul, Tidus. Et bon, c'est dramatique. Je vais te tuer et baiser maman. Moi, c'est pas ça. Pretty soon, I'm gonna be Sin completely. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la transformation est ralentie grâce au chant des priants. Je sais plus exactement. Je me souviens plus. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. C'est pas la transformation qui rend l'ultime, on la stun avec le chant des priants. Je crois que c'est plutôt ça. Oui, c'est ça, on le calme avec le chant des priants et du coup c'est ce qui nous permet de rentrer dedans et de. Bonsoir, c'est la NAS. Well then, let's go. Outidus, c'est pas un humain. Si, c'est un humain du passé en fait. C'est voilà, c'est oui, c'est un rêve. C'est même oui, c'est ce que je me disais. C'est même pas un humain du passé. C'est le rêve des gens de Zanarkand qui sont morts. C'est ça. Hein. C'est un égrégore. On est d'accord. Hein. Il y a tout coach qui va se lâcher. Alors après pour Shuyin de FFX2, je sais pas, j'ai pas fait FFX2 en entier, mais je sais que c'est un peu le plot du jeu, qu'il y a un mec qui ressemble à Tidus et que Yuna elle est là, oh mon dieu, il faut que je le retrouve. Et j'ai pas été au bout du jeu et j'ai pas avancé beaucoup dans l'intrigue, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Mais ils disent dans le jeu déjà qu'ils ressemblent beaucoup au petit frère de Waka, au grand frère de Waka, je sais pas, le petit frère de Waka. Ah oui. Ah mais c'est le Père Noël. J'irais un monstre de Resident Evil. Hein. C'est vrai qu'ils remettent classique pour le combat final, putain. Petit côté furie.
Bon. Calme-toi, coach. On va essayer un petit peu plein de trucs. On va essayer des spéciaux. On va essayer des. Lutte vite, pilier. Non, je pense. Technique utilisée, voler, encourager. Et... Oh, attends, j'ai. Bon, ça va servir à rien, tout ça. Chapardé. Magie noire, magie blanche. On va déjà taper pour voir ce que c'est. Je crois que ça suffira. Est-ce qu'on le. Le mix est. Est trop bas. Ils auraient pu faire péter un petit peu les watts. Enfin, les décibels surtout. Eh, vous avez des emojis popol hein, si vous voulez. Alors, s'il y a une astuce, je m'en souviens plus. Elle frappe comment, Yuna? Ah, y'a des piliers à péter. Bon, Yuna, tu vas péter les piliers. Ou alors, je vais demander à Waka, peut-être. Oh, elle a un overdrive. Et astuce. Parlez. D'accord. Très intéressant. Oh, mais on roule qui s'énerve. D'accord, d'accord. Et ben on va lui parler. En fait, il va lui parler, il va rien faire. Ah oui, ça fait des sorts, ça, putain. C'est des MP qui m'a pris là? C'est beaucoup? Je suis trop puissant. Mais bon, c'est que la première phase. Je sais plus combien il y en a des phases carrément. En fait. Je me rappelle, normalement, le combat est dur et ça manque l'overdrive eject. C'est un peu fort, oui. Bah, c'est bien, on galera pas trop comme ça. Là, c'est vraiment du overkill pour de vrai. Hein. C'est de la merde comme boss de soin. Je crois que j'étais pas retourné battre le boss, hein, parce que je l'avais battu bah, normalement, quoi, sans vraiment pexer quand t'es... Genre, y a pas vraiment de niveau dans celui-là, mais genre, quand t'es niveau 60... Voilà, 50-60 et que tu fais le jeu, du coup t'en chies un petit peu sur le combat de fin. Et je l'avais. Je ne l'ai pas refait en ayant continué à pexer les personnages comme je l'ai fait. Donc c'est vrai que je suis un peu surpris. Ça me refait l'effet de FF7 et FF8. Quand après avoir été jusqu'au niveau 99, tu t'amuses à te faire le boss de temps en temps pour rigoler. Alors qu'au premier affrontement, t'en avais chié comme pas possible. You'll cry. You're gonna cry. You always cry. See? You're crying. I hate you, Dad. Save it for later. Right. We've got a job to do, don't we? Good. That's right. You are my son, after all. N'hésite pas à faire FF10, hein, c'est vraiment... C'est bon, FF. You know, for the first time, I'm glad. You as my father. Sir Jack, I should.
plus le X maintenant tu peux le trouver en version HD. Yuna, there's no time. C'est quoi déjà la suite? Putain, je me souviens. You stay away. Yuna, you know what to do. The Aeons. J'ai obligé de se battre en chimère. Call them. Call us. Sur PH, c'est facile de trouver. C'est vrai. FX m'a fait sortir de la série. Bah, moi j'avoue qu'à l'époque c'est vrai qu'il était très 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 différent. Mais je dirais pas que ça m'a fait sortir de la série. Parce qu'après j'ai fait le 12. Que j'ai adoré aussi. Mais je dirais plus que c'est le 13 que j'ai jamais tenté et qui me faisait pas envie parce que vu les retours des critiques et tout. Il me semble que j'avais un pote à l'époque qui avait joué et qui m'avait dit que c'était vraiment pas bien quoi. Genre comme il y en a 3 des 13 ou je sais plus, il y en a 2 ou 3. Ça fait pas envie, j'avais pas de PlayStation 3. J'ai pas eu de PlayStation 3 avant récemment donc. J'ai jamais eu l'occasion de le faire donc je ne sais pas. De toute façon le 11 et le 14 c'est des MMO. Les MMO je ne joue pas aux MMO donc voilà. Et le 15 alors là il m'a pas fait envie du tout. Alors qu'est-ce qu'il paraît, le gameplay quand même est pas si nul au niveau des combats, tout ça c'est assez dynamique, ça peut être sympa. Et le 16, bah j'ai pas de PS5 et pareil les retours sont pas bons non plus donc ça me fait pas envie non plus. Et puis c'est un beat'em up quoi, donc je préfère jouer un bon beat'em up comme Bayonetta au niveau de May Cry, mais pas FF quoi. Yuna, je préfère le 8 ou le 9. À l'époque, je préférais le 8, mais maintenant, avec le recul, je préfère largement le 9. Ah! Bah ouais. J'espère que c'est pas un Shifumi à la Megaman, mais... Tu as fait la suite de FF... Non, revenant ton X sur DS, non, j'ai pas fait beaucoup de jeux DS, non, parce que j'ai eu la DS très tard. Et même si je suis passé par une grande phase R4... j'ai pas fait de JRPG de trucs comme ça. J'avais tenté le Dragon Quest 9 et je suis pas allé bien loin. FF8 n'existe pas. Bah FF8 n'existe plus, ça c'est clair. Après moi j'ai bien aimé et on avait rejoué un petit peu, j'aime toujours bien quoi. Il faudrait que je le refasse mais... Ah c'est elle qui... Ah oui, on doit buter les chimères de Yuna, c'est vrai. Parce que je sais plus, il y a un délire. Ah la vache. Genre les chimères sont liées au culte et du coup c'est ce qui participe à... Ah je sais plus. C'est ce qui participe au cycle de Sin, non? Et du coup il faut toutes les buter, je sais plus. Il y a un délire comme ça. Ah mais... Comment on fait pour... Yu Yeven possède les chimères. Oui c'est ça ouais. Les fans de FF qui veulent un retour aux anciens FF, je pense qu'ils aiment FF7. Ils veulent façon FFX et fantasment ça alors que Square fait plus ça. Oui il faut les laisser évoluer mais moi je préférerais qu'ils fassent... qu'ils se lancent plutôt dans une direction Crisis Core quoi. Et en plus évoluer en embrassant un peu plus le côté beat'em up RPG quoi. En le maîtrisant mieux, en rendant le truc beaucoup plus nerveux et arcade. Et ce serait des jeux... Il paraît que c'est le côté kiffant de FF16, c'est voilà, c'est les combats très... très grandiloquents, très... Selfie Irvine bien meilleur que couple principal. Ah je sais pas. Ah moi j'aimais beaucoup Squall Linoa quoi. C'est parti.
De toute façon, généralement, les gens sont ultra Mario FF qui les a fait rentrer dans la série et ça rend tout le débat compliqué, c'est vrai. Même si je dirais que, historiquement, FF7, l'original est celui qui a le moins bien vieilli. Si on outrepasse les mods, hein, bien sûr. Parce que, bah, à la base, c'était un jeu prévu pour 64 et du coup, quand il est arrivé... Déjà, s'il est arrivé au début de la PS1, et je pense qu'ils ont dû garder pas mal de trucs du développement de la version 64, et du coup, ça le rend pas totalement accurate à sa gêne, en fait. Quoi. On a l'impression ouais, qu'il a il est très beau, il est très machin et tout, mais du coup, il a extrêmement mal vieilli, un peu comme les jeux Nintendo 64, désolé Tandik, hein, mais c'est un peu vrai. Alors que le 9, j'y ai encore joué il y a pas longtemps, bon, avec des mods HD bien sûr, et il est encore vachement cool, et puis le 10, il a pas pris une ride quoi. Vraiment, je suis bluffé, hein, on s'est remis dessus, enfin je me suis remis dessus après 21 ans il y a quelques semaines, j'ai été bluffé de voir à quel point bah, il est parfait quoi. Enfin, tu remets un petit vernis HD dessus, puis c'est... C'est nickel quoi. Mais techniquement, moi c'est vrai que mon FF de cœur c'est le 7 parce que c'est celui qui m'a initié justement à cet univers et puis au JRPG tour par tour en général d'ailleurs parce que j'en avais jamais fait avant, comme énormément de gens en 97. Hein. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais du mal de le refaire. On avait rejoué un petit peu. On n'a pas été très loin hein, dans FF7 quand on l'a refait. Je sais plus jusqu'où on avait été. Mais quand tu me prends dans son jus sur PS1, c'est laborieux quoi. Alors que quand il joue avec les mods HD, tout ça, c'est. J'avais fait il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais. Avec les modes HD, c'est vraiment... C'est un pur plaisir, quoi. Même si c'est encore vachement rigide au niveau du gameplay, tout ça et tout, parce que, bon, c'était l'époque aussi qui voulait ça, hein. Les gameplays au stick analogique étaient pas... D'accord, on appelait ça les joysticks, mais c'est des sticks analogiques, c'est pas vraiment des joysticks. Et c'était pas encore très... très bien géré à l'époque où il est sorti, quoi. C'est pour ça que jouer à des jeux en 3D avec une croix directionnelle, c'est toujours extrêmement compliqué. Ça l'était à l'époque, mais bon, on faisait avec parce qu'on n'avait pas mieux. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué. Allez, suivant. Et même les jeux GameCube, hein, je trouve, n'ont pas si bien vieilli que ça non plus. Hein. Enfin, pas tous, bien sûr, mais... Ah, quoique... Ah, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu GameCube, mais... Mais de souvenirs, genre le Twilight Princess, je suis sûr que j'y rejouerai. Bon, c'est un petit peu dégueulasse, marronasse, bouillie de pixels, flou, brumeux. Moi, dans mon souvenir, c'est ça, hein, Twilight Princess. J'adorais le jeu, hein, mais... En trois phases à l'époque, la période FF1, FF6, bien sûr, tout ce qui est 2D vu du dessus, tout ça, FF7, 8, 9, 10, transition vers la 3D, tout ça et tout, et les moments de rupture de cycle. Ouais, oui, je pense que c'est les trois grandes périodes Final Fantasy. Oui. Ça a commencé avec le 11 quand ils sont orientés MMO, et puis après avec le 13, ils ont tenté d'autres trucs différents, apparemment aussi. Ils ont commencé à faire des jeux qui suivent aussi, la suite du 10. Les parties du 3, il y avait le projet avec Krista Novalis, là, je sais plus quoi, là, qui a accouché de FF 15, je crois, ou FF 13, je sais plus.
assez pratique, mais ça guérit pas de ouf, ça. Ah d'accord, j'apprends des trucs. Ah, je pense qu'un jour je ferai le 13, hein. Je pense qu'un jour je testerai, mais... Bon, on va magie blanchée un peu. RE4, il accuse du coup sur ce support et pourtant il a longtemps été super beau. Alors moi, RE4, j'ai une expérience PlayStation 2. Du coup, je peux pas trop... Ah merde, il a pas de magie blanche, ce con. Bon, on va le faire taper. Ouais, super. T'es joueur de baseball, toi, non? Ah putain, ah, c'est vrai que j'ai plus de MP. Bon, alors... Pas Ether. Hein. Est-ce qu'on a Ether plus, Elixir? Bon, Elixir, hein, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu quelque part. Elixir. Allez, c'est parti. Ouais, la Bahamut m'a fait un petit peu douiller. C'est normal, c'est une chimère forte. Voilà, je lui renvoie la monnaie de sa pièce. Oui, il y a le beat des créatures de l'esprit qui devait ouvrir une nouvelle phase aussi dans la saga. Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai adoré ce film, hein. Je sais plus, je crois qu'il n'était pas sorti au cinéma. Mais dès qu'il était sorti en... J'ai vu en VHS ou en DVD? Je crois que je l'ai vu en DVD. Ouais, en DVD. J'ai sauté dessus. Hein. Et j'ai kiffé. Non, je l'ai téléchargé. Avant de l'acheter, bien sûr. Parce que, bien sûr, à l'époque, c'était comme ça qu'on découvrait beaucoup de films. Hein. Surtout des films comme ça qui n'étaient pas trop exploités en Occident. Enfin, qui commençaient un peu, mais pas trop. Et j'ai surkiffé, quoi. Et du coup, après, je l'ai acheté en DVD. Et c'était... Je trouvais vraiment très très bien. Bon, après, ça clashait énormément avec. Avec le médiéval fantastique, tout ça, quoi. On était vraiment sur de la science-fiction hollywoodienne. Et c'était un peu... Voilà, bon, il y avait toujours cette notion avec le monde du vivant et tout, avec les fantômes, tout ça et tout, mais... voilà, la technologie face à la nature, tout ça et tout. Et après, bah, c'était bluffant, techniquement, moi, j'avais... Faudrait que je le revoie, d'ailleurs. Alors comment ça vieillit, mais je sais que c'était assez... J'avais trouvé ça très... très novateur pour l'époque, très... très frais, très, très intéressant, j'avais beaucoup aimé. Mais ouais, ça a bidé à l'international parce que... Ah la vache! La fusion Square Enix aussi, ah, c'était à la même époque, ouais c'est vrai. Enfin c'est arrivé après justement, non? C'est arrivé après le beat du film, non? Mais c'est bizarre parce que moi, tous les gens que je connais ont kiffé le film, quoi. Et pourtant... Et pourtant, il a bidé. Des choses qu'on n'explique pas. Et il est sorti au ciné? D'accord. Ah, peut-être que je l'ai vu au ciné, alors je me souviens pas du tout. Et s'il est sorti au ciné, j'ai dû aller le voir au ciné, c'est obligé. Advent Children au cinéma. Ah, ce week-end. Et ça pique pas mal sur mon écran. Ah ouais? Ah ouais? Ah putain la vache. J'aurais pas cru parce que moi j'ai la... J'ai eu la version... Bah déjà, c'est pareil, celui-là je l'ai téléchargé parce qu'il était, difficilement accessible. Il est sorti, je crois, à l'époque où... ils l'ont sorti en DVD. Je crois à la période où il y avait la... Où Crisis Core est sorti sur PSP. Et j'ai rushé dessus, j'ai acheté le DVD Day One. J'ai surkiffé, pareil. Et quand ils ont sorti la version Blu-ray, avec une fin différente, avec des trucs différents et tout ça et tout. Ah, Yojimbo, Yojimbo. Une invocation qu'on retrouve dans... Ah non, c'est Gilgamesh dans FF12, je sais plus. On fait toujours les deux, Yojimbo et Gilgamesh. Et la version Blu-ray, mais je l'avais trouvé. Enfin, je trouvais que le film était sublimé, quoi. Et donc, au cinéma, ça passe pas bien. Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Mais je sais que c'était. Moi, j'ai trouvé ça magnifique et je pensais que ça vieillirait jamais, tu vois, quoi. Donc, ce que tu me dis me choque un peu.
Ça a pris un coup de vieux Advent Children. Ah ouais, carrément quoi. Parce que moi quand j'ai vu quand j'ai joué à FF7 Remake, je me suis dit ah ça y est, on a le jeu tel qu'on le fantasmait après avoir vu Advent Children. Et pour moi on était au même niveau de CGI quoi. Donc ouais, putain la vache. Faudrait vraiment que j'en vois. Ambition pour leur époque, ouais. Oui, puis surtout le FF7, il parle aussi trop à la fanbase et du coup ça freine le grand public. Je sais que je l'avais montré à ma mère, elle avait rien bité quoi. Parce que c'est une suite directe. Si tu connais pas déjà d'entrée de jeu, le. Ah, c'est bien, on revoit toutes les invocations du jeu tranquille, sans rien faire. Sans avoir à le faire pendant les combats. Mais ouais, si tu connaissais pas l'histoire du jeu d'origine, tu ne comprenais rien au film quoi. Donc ça m'étonne pas qu'il ait pas trop marché celui-là. Moi aussi je pensais que ça vieillirait pas. Non, FF7 Remake est plus beau en fait. Oh, ce choc. Bon alors là les gars, c'est une chacun, il faut pas se foirer parce que sinon je pense qu'elles font mal. Mais du coup si on les débloque pas les chimères, parce qu'elles sont facultatives ces chimères là, c'est ça? Enfin, en mode Super Sentai un peu quand même. Du coup si on les débloque pas, on doit pas les battre. Du coup je me rajoute de la difficulté là. Ah super, déjà une en moins. Ouais. Ah, pataplouf. Advent Children, ce qui est choquant, c'est de voir que les rendus temps réel d'aujourd'hui sont plus clean que le film. Waouh. Putain la vache, ouais, ils font mal. Au début de notre séance, on a eu le droit à une vidéo des mecs qui ont fait le film de Square. Ils alternent les images de Rebirth et Advent Children, c'est violent. Ah ouais. Ouais, mais après, c'est vrai que voilà, on n'avait pas la Full HD à l'époque. On n'avait pas la technologie. Hein. Tu vas crever, oui. Voilà, merci. Parce qu'il date, Advent Children, il date du début des années 2000, non? Il date quoi? Genre 2007, un truc comme ça? 2005, 2007, je sais plus. Il y a un côté, on leur dit adieu, ouais, aux chimères, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça, Yuna, elle est triste à chaque fois et tout. Avec la musique du chant des priants, là. Olexé. Si on les débloque pas, on doit pas les combattre. Un petit côté crisis core comme fin sur le plan émotionnel. C'est vrai, hein, oui. Une bonne mise en scène de combat final. Ça. Mais ouais, donc, c'est quelle date Advent Children? Attendez, je vais taper ça vite fait pendant la cinématique. Désolé pour le bruit dans le micro. Ça 2024. Il ressort. Ah oui, il est ressorti au cinéma. Il ressort le 16 mars. Ah bah c'est pour ça que c'est là que tu l'as vu alors. D'accord, ok. Ok. Et à la base 2005, c'est ça, 2005. Ouais, 2005, la technologie. Enfin, ça y est, 10 ans d'écart là. Donc ouais, effectivement. 10 ans d'écart, 15 ans. 15, 20 ans. 20 ans. J'ai du mal. Forcément, forcément. Ça peut pas être aussi propre. This is the last time we fight together. Okay? Huh? J'aurais bien aimé le voir aussi machin quand même. Mais bon, si ça fait mal aux souvenirs, c'est pas une bonne idée. After we beat you, Yevon, I'll disappear. What are you talking about? Ah, ils le savent pas les autres? Ah non, c'est Yuna qui le sait pas. Je sais plus. Mais parce qu'il y a une histoire d'amour qui s'est développée, hein, il s'emballe dans l'eau, là, dans la rivière, avec les étoiles et tout ça et tout. C'est une scène magnifique d'ailleurs. Elle est pas au courant. Ah oui, elle était pas au courant. Je suis qu'un fantasme, Yuna. Je suis une relation parasociale, je n'existe pas. Je suis ton poster de BTS dans ta chambre. Remets-toi. Ah ouais, c'est le premier bisou dans un FF. Ah oui, y a pas de bisou dans FF8, c'est vrai.
is my story. Dis donc, FF9, en général, il s'enlace, mais il ne se bisoute pas, c'est vrai. J'adore comment il faut monter la conscience comme pour un combattre ensemble. Bah, c'est souvent ça dans les FF, hein. Voilà, on a tout donné. Ce qui compte, voilà, c'est le combat de fin en général, c'est plus de la mise en scène qu'une réelle difficulté. Même si, bon, si t'es pas à niveau, ça peut être difficile. Hein. Moi, je me souviens que le combat de fin contre Sephiroth, la première fois, j'ai un peu galéré. Mais bon, en général, c'est pour ça qu'ils te font une zone de fin avec des mobs surpuissants pour s'assurer que tu montes bien en niveau. Enfin, en général, si un game design est bien géré, ça se passe comme ça, quoi. Donc, pour profiter de la fin sans frustration, quoi. On n'aura pas beaucoup entendu la musique, hein, je suis désolé. Et fait fuite le bisou et hors champ. Oui, parce qu'il me semble qu'il se jette. Oui, oui, c'est dans la un post-générique où ils se retrouvent, ils sont sur le vaisseau et. Oui, c'est vrai. Le bisou, il y a le bisou, mais t'as des zooms. Je me souviens bien, ouais. J'aimais bien cette fin. J'aimais beaucoup fait fuite à l'époque. J'étais en plein air ado edgy. Voilà. Limite. Emo. Ouais, la fin de FF9 aussi. En fait, toutes les fins de FF sont cool. Hein. Peut-être à part celle du 12, parce que. Mais c'est le scénar en général hein, qui est chiant et qui est nul à chier. Les personnages sont pas bons. Ouais. Mais ouais, la scène du 12, l'histoire du 12 et la scène finale du 12, je m'en souviens pas. C'est des histoires de royaumes qui s'affrontent et tout, de destitution, mais c'est des osef sur milieu. Quoi. Mais moi je trouve que, ouais voilà, FF8 est plus orienté SF que. Mais déjà FF7. Avec son ambiance diesel punk, était déjà très différent du medieval fantasy des précédents. Mais il y avait quand même cette touche un petit peu médiévale au travers des armures, des designs. Puis bon, une fois que tu quittais Midgar, plus rien n'était très évolué, entre guillemets, quoi. Hormis les trucs de la Shinra, tout ça et tout. Il y avait toujours encore cette petite touche médiévale mixée avec du diesel punk. Le 8, ouais, vrai, a plus clashé vraiment par un aspect bien plus science-fiction moderne. Il y a plus de médiéval dans le 8, quoi. Et ça revient dans le 9 avec le retour de je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Et de Sakaguchi, hein, c'est Sakaguchi. Il est revenu dans le 9, hein, c'est ça, en tant que. Enfin, je sais plus. Je ne connais plus les histoires des FF. Je ne connais plus les lores. Mais ils sont revenus, voilà. Et le 10 remarque encore une petite coupure, mais encore une fois, c'est Nomura. Il me semble que c'est Nomura qui dirigeait celui-là aussi. Et mais il y a encore ce petit côté. Pas tant médiéval, mais je dirais qu'il y a un peu les prémices de Kingdom Hearts, en fait, dans FF10. L'univers est très différent de ce qu'on a pu voir dans les précédents. Et on est plus, ouais, quand je vois le jeu comme ça avec du recul et tout, j'ai vraiment plus l'impression de voir un proto Kingdom Hearts en fait. Oui, FF9 c'est un hommage au premier, ouais. Aux ancêtres. Post-apo semi-médiéval, tu dirais. Moi je dirais que c'est vrai qu'il y a le fait. Le culte religieux ramène un petit peu ce côté médiéval entre guillemets, mais c'est pas encore ça quoi. On est vraiment dans de la fantasy, je sais pas comment dire. C'est un peu post-apo hein, quelque part, hein, mais techniquement on est dans un monde après un énorme cataclysme qui se reconstruit en permanence en essayant de garder le contrôle sur sa population par le moyen d'une religion, donc il y a un truc.
Je sais pas comment dire. Oui, c'est comme tu dis, un post-apo, semi-médiéval. Je viens de le dire, je l'ai lu et pourtant j'ai refait le cheminement. Au rêve, j'ai plusieurs fois eu l'impression de ne pas comprendre de quoi ça parlait. Oula. Bonsoir pour le suivage, Spider-Man. Non mais déjà c'est voilà, c'est tout ce qui est Nomura pre-shot Kingdom Hearts. Mais je parle pas de car design là, je parle vraiment plus d'ambiance d'univers. Voilà, un petit peu magique quoi, un petit peu spirituel, un petit peu comment on dirait oui voilà, spirituel. Ésotérique, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est vraiment voilà dans le post-apo ésotérique. Et c'est une forme d'ésotérisme que je retrouve pas mal dans Kingdom Hearts. Et puis aussi l'esthétique très colorée avec des symboles mystiques, magiques un peu partout. Enfin. Et donc Auron aussi, bien sûr. Va nous quitter. Bonsoir Slumdel, merci pour le suivre. Je sais pas, c'était toi qui venais de suivre ou pas? Non, c'est un numéro de téléphone. Ouais, c'est voilà, et puis maintenant on met fin au cycle d'asservissement, le monde est libéré, c'est votre monde maintenant. La... Comment dire, la responsabilité est lourde. On va refaire de la merde. Ou est-ce qu'on va faire mieux? Dans Lunatic Pandora. Oui, il y a un peu de ça, effectivement, de l'OST de FF8. J'adorais. J'ai adoré cette ambiance dans Lunatic Pandora. C'est trop bien. C'est... ça te sortait du truc, c'était... Tu partais ailleurs. C'est parti, parce que maintenant, Yuna... Voilà, doit faire la danse des défunts, n'est-ce pas? Je sais plus comment ça s'appelle exactement. La cérémonie funéraire. Donc, au revoir... au revoir tout le monde. Et puis, bah, du coup, bah... Au revoir Tidus aussi. La Sion s'est battu Dieu. En certains aspects, ça me rappelle aussi la fin de Wind Waker. Le côté, c'est votre nom. Je me souviens plus très bien de la fin de Wind Waker, hein, ça fait très longtemps. Je me souviens de l'ambiance un peu, ouais, avec la défaite de Ganon, l'épée plantée dans le crâne et tout, là. Puis c'est vrai qu'il y a ce côté aussi post-apo dans Wind Waker. Hein. Quand tu libères le royaume du mal. Ah, donc ça, c'est les restes de Zanarkand, hein, c'est ça. Hein. Ah, je me souviens, j'avais versé ma larmichette à l'époque. Yuna, I have to go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkand. Huh?
goodbye. Oh. Hey! We're gonna see you again! Note de piano. Yuna! Huh? J'ai vu Rico de lui passer au train. Vous êtes con. Oh, gâchez pas ce moment. C'est Final Fantasy VIII qui se termine mal en fait. C'est un peu le même délire hein, quelque part. Le petit coup de trompette, c'était pas nécessaire, ça gâche un peu. Ah bah le, oui, les compositions de Nobuo Uematsu resteront dans les légendes, effectivement. Le jour où il va crever, lui aussi. Pas dur. Ah là là, que c'est triste, que c'est mélancolique. Je m'en souviens. Par contre, la post-fin, enfin, c'est à partir de là, je m'en souviens pas. Les adieux sur le vaisseau, ça, je m'en souviens, mais la suite, je sais plus ce qui se passe. Je veux dire, faites mieux. Abattez la citadelle. C'est ça qui s'est passé dans le jeu. On a abattu la citadelle, merde. Everyone has lost something precious. Everyone here has lost homes. C'est Padmé au Sénat. Dreams and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. J'ai vraiment envie de le faire en japonais. Hein. Ah, tellement hâte. Working together. Now we can make new homes for ourselves and new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let's start out today. Elle va devenir la dictatrice du monde. On t'entend pas. Ah, c'est la scène du bisou. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle cette scène. Il y avait la musique. Pourquoi la musique déjà, le thème? Bah, Suteki Dane. Voilà.
Merci Kuma Coach qui l'écrit en même temps. On va entendre maintenant et qui va très, très certainement être Strike. Et que j'ai entendu lors du concert des 35... C'était les 35 ans, je sais plus, de FF. Qu'on a été voir à Paris, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Et bien évidemment, la chanteuse était là, elle a chanté sous Tegi Dané. Si vous avez l'occasion, le Final Fantasy Orchestra, là, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Merde. Je connais, en plus je télécharge les trucs depuis que j'ai internet. Ça s'appelle, je sais plus comment. Mais ça passe régulièrement. Je crois qu'ils ont refait une tournée cette année ou c'est l'année prochaine, je sais plus. Mais ils en refont régulièrement et c'est vraiment une expérience très touchante. Même si l'année où j'y suis allé, ils ont fait énormément de medley des. Comme c'était l'anniversaire des débuts de la série, ils ont fait beaucoup de medley des 6 premiers. Donc c'est des zik que je connais quasiment pas du tout. Sauf pour les quelques-uns qui ont été repris par les Black Mage, mais. Pour quelques-unes, enfin les quelques thèmes. Je loupe le concert du 9 car je rentre du Japon le 10. J'ai contraire dans mon cœur. 9 novembre, d'accord. Nicolas et Orchestra. Non, c'est pas ça que je pense. Attends, je vais retrouver. Distant Worlds, voilà, c'est ça. Et dites-vous bien qu'à l'époque, quand j'ai commencé à télécharger sur les Kaza et compagnie, ça fait partie des premiers trucs que j'ai DDL en OST. Je me disais, putain, il y a des concerts de musique de jeux vidéo. Je suis devenu fou parce que je suis tombé sur, justement, je cherchais la musique de Final Fantasy. Et quand j'ai vu qu'il y avait des réorchestrations et tout, et j'ai téléchargé un des lives de Distant Worlds. C'est Distant Worlds ou c'était autre chose, mais où c'était le nom qu'ils avaient avant, je sais plus. Et j'étais là, mais... Quand j'ai entendu Bombing Mission de FF7 pour la première fois, ou You're Not Alone en version orchestrale, j'étais dingue. Je me suis dit, putain, mais ça doit être un truc de fou. Et j'ai dû attendre une vingtaine d'années pour vraiment le voir en vrai, enfin l'entendre en vrai. Et c'était vraiment quelque chose de fifou. Bonsoir Yann Frémont. J'espère que vous allez bien. J'ai suivi votre conversation, excusez-moi, concernant les FF, mais j'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas parlé de FF12. Si, on en a parlé de FF12. Et j'en ai souvent parlé aussi dans les autres streams. Mais en termes de scénar, FF12, il est pas intéressant. Apparemment, il m'a pas marqué du tout, quoi. Le jeu, j'ai adoré. Parce que le système de Gambit, j'ai adoré. Les combats, l'évolution, tout ça. Enfin, tout, quoi. J'ai tout adoré, la direction artistique, tout ça et tout. Mais l'histoire ne m'a pas intéressé du tout. Et comme le dit Coach, Van et Penelo sont... sont inintéressants au possible, c'est des coquilles vides, insupportables, et du coup, bah, ça crée de la distance. Alors, les seuls personnages dont je me souviens bien et que j'ai vraiment bien kiffé, c'était Balti et Fran, Han Solo et Chewie, parce que c'est clairement ça, et sinon le reste... Et puis Bash un petit peu, quoi, mais... Le premier concert de FF, c'était celui de 2012. Un pote s'était acheté le CD et me l'avait filé pour que je le copie. Il n'était pas programmé dans notre Gambit. Zodiac Edge m'a déplu. Ah, j'ai pas fait Zodiac Edge, je l'ai. Il est toujours sous blister. Ça doit faire je sais pas combien d'années que je l'ai. Et j'ai jamais. Je pense que quand je voudrais me refaire FF12, je referai Zodiac Edge. «
sous-entend que le héros de cette OP est une vanne. Après, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Hein. Les gens ont le droit d'avoir kiffé l'histoire de FF12. Il n'y a pas de souci. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ça se passait déjà dans... C'était déjà un peu comme FFX2, qui est la suite de FF10, et FF13, qui a plusieurs suites. Il me semble que le FF12 se passe déjà dans le même univers que je ne sais plus quel autre Final Fantasy. Le 3 ou 4, ou je sais plus, dites-moi si j'ai des conneries, mais il me semble que ça reprend le même univers qu'un ancien jeu. Si on mettait le nez dans FF12, c'est pas possible, une fois qu'on le voit, ça fait que ça. J'ai pas vu. Le système de combat de FF12 est génial. Oh, je suis déco. Ok, du coup, je m'en vais. D'accord. Ok. Mais je suis pas journaliste de jeux vidéo, hein. Je suis pas censé délayer la bonne parole. Je donne juste mon avis en retraçant mon parcours vidéoludique en stream, c'est tout. Hein. Faut pas le prendre mal, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes goûts que tu ne peux pas rester. Ah, parce que je suppose que toi, du coup, tu as énormément apprécié FF12 et tout ça, quoi. Où c'est... Ah, il y a une scène post-générique. Je m'en souviens pas. Je m'en souvenais pas. Ah, genre, il est toujours vivant, lol. Non. FF12, c'est dans le monde de Tactic Advance, c'est ça, alors, du coup. Pas dans un monde d'un FF numéroté. La chasse aux monstres. Ah oui, la chasse aux... Après, ce que j'avais pas aimé dans FF12... C'était au niveau du... Déjà, le leveling sur la fin, il était très poussif et c'était... Je me souviens que c'était assez laborieux d'aller au-delà des niveaux 70-80. Merde, c'est fini. Hop, et puis tu as des boutons. Et ça m'avait un peu rebuté pour booster. J'avais un pote, lui, qui s'était acharné. Et même en boostant, tu peux pas atteindre les 9999 de HP, tout ça et tout. Il faut bourrer avec des sorts pendant les combats pour booster tes stats. Et ça, je m'étais dit, ah, c'est un peu bof quand même. C'est complètement un contre-courant, justement, du 10, qui lui te propose d'exploser les stats et te permet de t'amuser. Et de finir le jeu, voilà, sans regarder ce que tu fais, les doigts dans le nez. Le x4 du jeu, ça va. Ah oui, il y avait un x4. Je me souviens plus qu'il y avait une accélération. J'ai cru comprendre que FF12 se passe en Ivalice. Oui, il me semble que c'est ça, oui. L'univers de FF Tactics et de Vagrant Story. D'accord, Vagrant Story, j'ai jamais fait. Et c'est vrai qu'il y a Revenant Wings aussi, qui est du coup, oui, une. Comme on disait tout à l'heure, un add-on. Enfin, comment, non, pas un add-on, un spin-off. FF12, c'est celui avec Dark Vador. Ouais, la chasse aux monstres, c'est ce qui m'a tenu aussi pas mal, ouais. Enfin bref, je vais faire un petit pissou. Je suis désolé hein, pour... Je suis désolé pour Yann Frémont qui du coup a mal pris mon avis, apparemment. Je vais pas te faire fuir. Et tu m'as posé la question, je réponds honnêtement. Voilà. Enfin, tu n'es probablement plus ici d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais n'hésite pas à revenir quand même, on ne sait jamais. Merci d'être passé dans tous les cas. Je vais faire un pissou et après on regardera le DVD qui a été vendu avec le truc. A tout de suite.